l'entrée en carême, ça vient vite. Hein. Ah, on est à peine sorti, je dirais, du temps de Noël et de l'Épiphanie, que nous voilà cette année déjà en carême. Alors, il ne faut pas manquer le départ dans cette période de 40 jours, période d'entraînement, de recentrage, je dirais, sur le cœur de la foi. Et moi, j'attirerai principalement l'attention cette année sur l'articulation à bien vivre, à bien réaliser entre d'une part la foi et d'autre part la charité. C'est d'ailleurs le cœur du message de Benoît XVI. Mais j'insiste là-dessus parce que nous sommes, nous, précisément, comme toute l'Église, dans une année de la foi, hein, et tout particulièrement en France, dans une année de la charité, avec la démarche Diaconia 2013, Servons la fraternité, qui va atteindre son point culminant au mois de mai à Lourdes par un grand rassemblement. Donc, articuler foi et charité. La foi sans la charité est une foi morte. Et la charité, c'est quoi ? C'est la vie dans la foi.